Ok, bonjour à toi. Aujourd'hui, on va faire le remake du tout dernier Al Capote. Voilà. Je commence par mettre mon tempo à 72. Le tempo, si tu ne connais pas, il est situé juste ici. Voilà. Je le mets à 72. Ensuite, je sélectionne cette première zone de travail. On va prendre, on va dire, 4 temps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une pattern que je vais appeler mélodie. Mélodie. Voilà. Assez rapidement, je viens juste déposer ça ici. On va ouvrir le plugin Hypersonic 2. Moi, je suis allé dans Ethnic et j'ai pris cet instrument-ci, Koto. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis piano roll. Et puis, on va essayer de s'amuser un peu à poser les notes de la mélodie. Voilà. Voilà, on va tout simplement dupliquer ça. Voilà. Je duplique. Voilà. Voilà, il peut monter un peu le volume. Voilà, maintenant, on va créer une pattern qu'on va appeler kick. Voilà. Kick, et puis, dans le pack Afrotrap Pro, je vais prendre ce kick-ci. Voilà, je fais un clic droit. Il s'appelle Favor Kick Drum 2. On va essayer de s'amuser un peu à déposer les kicks. Voilà. Je dépose ça ici. Voilà. Voilà. Ah, je vais un peu agrandir ça. Voilà. Tu vois que c'est simple. Il n'y a rien de difficile là-dedans.
Ok, maintenant on va créer une pattern qu'on va appeler clap. Voilà. Ok, je vais déposer cette pattern clap ici. Maintenant, je vais prendre ces snares-ci. Clic droit, piano roll. Je vais m'amuser un peu. Ok, ensuite on va copier tout ça. Voilà. On va prendre ce deuxième snare-ci. Voilà. Il est également disponible dans le pack. Je copie, je colle. Voilà, maintenant on va ajouter Ok, on va ajouter quelques petits roulements de hi-hat. On crée une pattern hi-hat. Voilà. Je dépose ça. Ici, voilà. Ok, on va sélectionner ce hi-hat-ci. J'ai fait un piano roll. Voilà.
Ok, donc c'est un peu ça. Voilà, nous créons une pattern 808 et là on va prendre cette 808 ci. Voilà, on va s'amuser un peu avec. Voilà. Voilà, je mets cette note ici comme ça. Ici, je vais faire ce qu'on appelle un slide. Voilà, ensuite je prends la note C5, okay, ici à C5, je vais mettre un coin slide. Voilà.
C'est tout pour cette 808. Maintenant, tu peux t'amuser à mettre quelques accords, tu peux mettre quelques effets. Voilà, je peux m'amuser à mettre cette mélodie ici. Je sélectionne dans. Ensuite, je prends notre purity. Je sélectionne dans Bell et Percussion. Thème Bamboo. Je crée une pattern qu'on va appeler accord. Ensuite, ici.